Coucou les filles, trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Vidéo qui va être assez courte, mais qui devait absolument être publiée. J'ai très envie de vous lancer un défi, un petit challenge. Ça fait plusieurs semaines que je prépare cette vidéo, notamment pour les petits lots que je vais vous proposer de gagner. Donc c'est parti, je vous raconte tout ça. Donc je suis Audrey de la chaîne Audrey V, du compte Instagram du même nom. Une adresse mail en dessous pour m'écrire. Vous pouvez aussi passer sur mon compte Insta. Ça marche très bien avec les messages privés. Sur cette chaîne, vous avez déjà vu, pour celles qui me suivent, plusieurs épisodes de la capsule couture patron gratuit, notamment pour l'été dernier, mais aussi et surtout pour cet hiver, donc hiver 2021-2022. Parmi tous ces patrons gratuits, il y en a plusieurs que j'ai cousus, il y en a peut-être plusieurs que vous allez coudre. Et je me suis dit, pour les motiver un petit peu, pour partager encore davantage avec vous, peut-être qu'il serait pas mal de lancer un petit challenge. Je vous l'explique, c'est très simple. Vous allez devoir coudre. Si vous souhaitez participer, ce n'est pas un ordre, rien d'impératif, évidemment. Vous allez devoir coudre un patron gratuit, peu importe lequel. C'est tout ce que je vais vous demander, qu'il soit en français, en anglais, en espagnol, en russe, peu importe. Faites-vous plaisir, allez vers ce qui vous fait envie. Que ce soit du jersey, de la viscose, du lainage, là aussi faites-vous plaisir. Que ce soit homme, femme ou enfant, faites comme vous avez envie. Le but, c'est vraiment de coudre un patron gratuit et de le partager avec toute la communauté. Je ne l'ai pas dit, mais je rajoute la catégorie aussi des accessoires. Vous êtes nombreuses à coudre des accessoires régulièrement, que ce soit des sacs, des pochettes, des trucs pratiques. J'ai vu dernièrement une déco sur une coque de téléphone et je trouvais ça génial. Donc ça peut être ça, par exemple. Bon, ça peut être n'importe quel accessoire que vous trouvez pratique au quotidien ou pas d'ailleurs. Mais voilà, dès l'instant où c'est un patron gratuit, ça peut aussi être un tuto. Voilà, un tuto gratuit. Il n'y a pas forcément un patron à la clé. Vous avez trouvé un tuto, vous avez envie de le partager, c'est l'occasion. Ça fera de la pub à la marque qu'il propose ou à la chaîne qu'il propose ou à la personne qu'il propose parce qu'il y a plein de gens qui proposent des tutos gratuits aussi sur Instagram. Il n'y a pas que sur YouTube que ces choses-là se font. Voilà, donc plein d'idées à piocher. Alors évidemment, un challenge veut dire petit cadeau à gagner. Je dis petit cadeau, mais vous allez voir, ce sont quand même, je trouve, de très jolis cadeaux. Et pourquoi des cadeaux à gagner? Bah parce qu'en fait, à l'issue de ce temps de couture que je vais vous laisser, je vous en dis plus très vite dans la vidéo, après ce temps de couture que vous aurez eu pour coudre votre vêtement, vous allez m'envoyer vos cousettes par photo, par mail, en me mettant, s'il vous plaît, vraiment dans l'intitulé de votre mail, challenge, patron gratuit, et si possible, vous mettez le nom du patron que vous avez cousu, et vous m'envoyez une ou deux photos, pas plus, parce que après j'ai plus d'espace pour stocker. Et toutes les photos de toutes les cousettes que j'aurai reçues, je vais les imprimer pour faire ensuite un tirage au sort à la main parmi toutes les cousettes que vous aurez faites. Je prévois, je n'en ai pas encore parlé aux filles du week-end de mars, mais je prévois de faire ce tirage au sort durant le week-end couture de mars. C'est le dernier week-end couture parmi les 6 que j'avais organisé initialement, même s'il y en a d'autres après qui sont venus se greffer et qui vont encore avoir lieu. Mais celui-là, c'est vraiment la boucle des 6 premiers. Donc je trouvais sympa, pour marquer un petit peu le coup sur ce week-end-là, de faire ce tirage au sort avec les filles qui seront présentes. Donc ça va être des mains innocentes, si je puis dire. On va mettre tout ça dans une espèce de boîte d'urne et puis chacune tirera au sort. Pour le moment, j'ai réussi à collecter 9 lots à vous faire gagner. Ça veut dire qu'il y aura 9 gagnantes. J'espère très sincèrement qu'il y aura encore plus de lots d'ici la fin de ce challenge et que je pourrai faire gagner encore davantage de participantes. Donc, parmi les lots, les choses se préparent, mais il fallait quand même que je vous lance le challenge. Alors, je vous encourage à coudre avant tout pour le plaisir de coudre et pas pour gagner un des lots, mais c'est toujours sympa de pouvoir être récompensé de cette manière, ne nous mentons pas. Donc parmi les lots, vous aurez un bon d'achat de 25 euros dans la mercerie Un chat sur un fil qui font partie de la capsule. Donc je vous encourage vraiment à aller voir, notamment la jupe bohème que moi j'ai cousue et que j'adore. Vous aurez aussi 2 coupons de viscose à gagner chez Mamselle Louisa, que vous connaissez sans doute. Donc merci à elle. Donc ça fait 2 gagnantes à récompenser par un coupon de tissu de cette marque. Vous aurez aussi 2 patrons PDF de chez We Feel Pretty. Alors ce sont les patrons de la robe sirène et du top Damascena. Si vous ne les connaissez pas, ben, ce sera l'occasion de vous les faire découvrir. Oui, petite incruste parce que je suis allée un petit peu vite sur We Feel Pretty, mais vous savez, c'est notamment un de leurs patrons qu'avait cousu Julie de la chaîne Xiaomibo, donc c'était la jupe Krista. Ils ont plusieurs patrons gratuits, notamment 2 jupes. Vraiment, allez voir les filles, c'est très sympa. Vous pourriez peut-être coudre un de leurs patrons.
Donc là encore, merci à eux d'avoir proposé de l'eau. Vous aurez un bon d'achat de chez Je fais mes dessous. Merci beaucoup. Là aussi, vous avez des patrons gratuits chez Je fais mes dessous. N'oubliez pas d'aller voir, notamment brassière et culotte. La brassière Léa, c'est notamment l'une des cousettes qu'on avait choisi de coudre lors d'un des week-ends couture chez Marion. Donc c'était pour la team brassière. Donc cette brassière Léa, c'est pareil, elle peut aussi faire partie des patrons gratuits que vous allez pouvoir coudre, y compris pour ce qui est des dessous ou de la lingerie, évidemment. Vous aurez au choix aussi deux patrons PDF de chez Urban Ferry. Donc merci beaucoup Elsa d'avoir répondu à ma demande de partenariat. Donc là aussi, deux gagnantes grâce à Elsa. Et pour Elsa, donc Urban Ferry, vous le savez sans doute, mais c'est un patron homme qu'elle propose gratuitement. Donc ça peut être l'occasion de faire plaisir à vos enfants, si vous avez des grands-enfants, à vos maris, à vos pères, à vos frères, peu importe, le patron du t-shirt Hercule. Et vous avez aussi un patron offert par Do and Smile, donc merci à toi Émilie, un patron à choisir parmi les trois patrons qu'elle a déjà créés. Si j'ai pensé à Do and Smile, si j'ai pensé à aller contacter Émilie, c'est parce que j'ai récemment cousu le patron du pull Elora que j'ai trouvé génial et je vous en parle dans un prochain bilan couture. Donc je vous le disais, j'espère qu'il y aura d'autres lots qui viendront se greffer, je vous tiendrai au courant. Alors ce concours, il s'adresse avant tout à mes abonnés sur YouTube, qui sont parfois souvent les mêmes abonnés que j'ai sur Instagram, mais pas toujours. Mais vraiment la démarche, c'est on n'est pas obligé d'avoir un compte Instagram pour participer, on n'est pas obligé de faire la plus belle des photos, on n'est pas obligé de faire la plus belle des cousettes avec zéro défaut, si toutefois ça existait. Bref, faites-vous plaisir, c'est sans complexe, c'est sans pression. Puisque je le rappelle, c'est un tirage au sort. Donc, il n'y aura pas la plus machin ou la plus truc. Non, c'est un tirage au sort. Donc, vous avez toutes les mêmes chances de gagner, quel que soit le patron que vous aurez choisi, le tissu que vous aurez choisi et votre niveau de couture. Donc, ça, c'est quand même plutôt chouette. Et bah, moi, je suis plutôt contente. Alors, j'ai beaucoup réfléchi avant de prendre cette décision de procéder comme ça parce que j'aurais pu faire des catégories. La cousette la plus chic, la cousette la plus colorée, la cousette la plus ceci, la plus cela. J'aurais vraiment pu trouver plein de thématiques pour faire un choix. Mais la meilleure façon que j'avais de vous dire merci, d'être toujours là sur les vidéos, c'était vraiment ça, c'était de remercier tout le monde, quels que soient vraiment les critères de sélection, vu que là, il n'y en aura pas. Le seul critère, c'est coudre un patron gratuit, et j'en ajoute un deuxième, c'est me l'envoyer en photo. Si possible, une photo portée, vous cachez votre visage si vous n'assumez pas, mais si possible, une photo portée, parce qu'on se rend quand même bien plus compte que si la photo est à plat ou sur un cintre. Je trouve qu'on a du mal à se projeter de cette manière. Donc ça, ce sera pour aider les autres aussi. Toutes les photos que vous m'enverrez seront sans doute en rétrospective dans une des prochaines vidéos sur la capsule couture patron gratuit. Donc ce sera une façon aussi de vous mettre en avant, que vous ayez gagné un lot ou pas. Maintenant, il va falloir aller coudre. Si vous voulez puiser dans les patrons gratuits que j'ai déjà proposés, ben vous avez une playlist dans laquelle j'ai regroupé toutes les vidéos de patrons gratuits, que ce soit les miennes, mais aussi celles de toutes mes partenaires pour la capsule. Enfin bref, vous avez plein de choses à aller piocher chez elles. Toutes leurs vidéos sont dans ma playlist capsule couture patron gratuit. Je vous laisse aller la voir. Vous piochez dedans si vous avez envie. Vous allez piocher dans les patrons gratuits que vous avez peut-être déjà. Vous pouvez aussi aller piocher dans des nouveaux patrons gratuits. Peu importe, faites-vous plaisir les filles, c'est vraiment ça le but. Je vous encourage même pour ce défi à utiliser votre stock de tissus. N'allez vraiment pas acheter un tissu pour ça. Ce tissu, on ne savait pas trop quoi en faire. Eh bien finalement, ça serait pas mal dans ce patron gratuit. Pareil pour les boutons, si vous avez besoin de mercerie, bah, essayez d'aller récupérer ce que vous avez déjà. Bref, limitez vos dépenses pour ce projet parce que en fait, c'est un challenge qui ne doit pas vous faire dépenser d'argent, qui veut juste récompenser votre engagement et puis vous mettre en avant vos cousettes, quelles qu'elles soient, je le répète, ça s'adresse absolument à tout le monde. Et bien entendu, je ne l'ai pas dit non plus, mais vous pouvez aussi partager vos cousettes sur Instagram si le cœur vous en dit, mais vous pouvez très bien mettre challenge patron gratuit. Vous mettez ce hashtag sur la cousette que vous allez poster, donc ne vous privez pas de ça. Par contre, je vous demanderai de jouer le jeu et de ne pas me ressortir tous les patrons gratuits que vous aviez déjà cousus. Voilà, ça laisse autant de chance à tout le monde. Celles qui ont déjà cousu des patrons gratuits, qui les ont déjà postés sur Insta, ben, il faut en refaire un nouveau si vous voulez que votre participation soit prise en compte. Voilà, ce serait top de jouer le jeu comme ça, de cette façon. Donc n'hésitez vraiment pas à partager toutes vos créations du challenge patron gratuit sur Insta avec ce hashtag. Je ne manquerai pas de suivre aussi ce hashtag qui viendra alimenter peut-être la capsule couture patron gratuit
Donc oui, peut-être rajouter le hashtag challenge patron gratuit et le hashtag capsule couture patron gratuit. Comme ça, tout le monde pourra en profiter tout au long de l'année et je dirais même pour les années à venir parce que les hashtags, ils restent sur Instagram, hein, quelle que soit la période à laquelle vous avez posté votre photo. Bon, allez, ça y est, j'ai trop parlé là. Donc, je vous laisse jusqu'au 17 mars pour réaliser votre cousette et pour me l'envoyer par mail. Si ça arrive le 17 mars à 20h, ce sera trop tard parce que je ne pourrai pas imprimer et préparer ça dans l'urne. Il faut que ce soit vraiment, on va dire, jusqu'au 17 à 10h du matin. 17 mars, 10h du matin, vous m'envoyez vos cousettes. Si vous le faites avant, c'est forcément beaucoup mieux pour moi. Ce sera plus pratique parce que je vais devoir imprimer toutes vos créations. Je ne l'ai pas dit, mais je l'ai dit, je l'ai presque dit. Je ne l'ai pas dit tout à fait comme j'aurais dû le dire. Mais ce tirage au sort, donc il se fera sur le week-end du 18 au 20 mars. Et je ferai une vidéo à l'issue, donc je vais filmer les tirages au sort. Je ferai une vidéo et la vidéo sera postée sans doute la semaine d'après le week-end. Donc vidéo durant laquelle non seulement je partagerai toutes les cousettes qui m'auront été envoyées en photo. Vous m'en envoyez pas 50 hein, les filles, sinon je pourrais pas. Hein. Vous m'envoyez pas 50 photos de vos cousettes, juste une ou deux. Ce sera très bien, c'est vraiment le grand max de grand max. Et donc on intégrera dans cette vidéo le tirage au sort aussi de ce challenge en plus de voir toutes vos créations. Voilà les filles, j'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions, vous me les posez en dessous. Je compte sur vous pour me dire en commentaire si vous allez ou non participer. Je compte sur vous aussi pour partager ce challenge dans vos réseaux. Je sais que ça se partage pas mal sur Facebook. Donc un coucou à toutes les filles qui viennent de Facebook et qui me suivent. Merci à toutes celles qui vont partager. Je vais communiquer aussi dessus sur Instagram parce que ça peut peut-être intéresser des gens. Mais je rappelle que la base de ce challenge, c'est sur YouTube parce que je n'oblige personne à aller poster sa cousette sur Insta. Bon les filles, c'est fini, je m'en vais. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Je suis toute excitée. Je vais continuer à essayer de démarcher de nouveaux partenaires pour vous offrir encore plus de cadeaux. À très bientôt. Bye.